Mes chers compatriotes, c'est un coup yon coup de éclair. Guy Philippe débarqué sous terre pays d'Haïti. Nous rappelons, nous, dans le mois qui s'est passé là, en pile moun tapton Guy Philippe, li pa de cochon débarqué. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, sans attendre, OIM pral confirmer nouvelle ça fait quoi Guy Philippe sous sol pays d'Haïti. En pile citoyen bat bravo pour dire frère Pam, bienvenue la caillou. Après yon bon temps ou te fait de yo. Mais en pile citoyen tout, pas si span di, oh oh, doit dire à tout ne. Oh oh, assassin en tout ne. Oh oh, monsieur, de pourtant d'elle débarque dans le pays d'Haïti, Ariel range corps ou pas pour corps dans le pays. Ya. Mais moun ki la en vam yo, mes chers compatriotes, yo konne ki yes Guy Philippe et ki bataille li mene dans le pays d'Haïti tout. Frère, c'est ça bien aimé. En pile citoyen déclaré, c'est kidnappé, yo te kidnappé Guy Philippe après 6 l'année, eh bien, il retourne dans le pays d'Haïti. Débarqué Guy Philippe, débarqué dans le pays d'Haïti, mes chers compatriotes. En pile citoyen dit, quête, gardez dans yon complot, nous prend. Comme ça pour monsieur débarqué, sans febri. C'est la monsieur fin sous son la plap. Et puis laisse ça tout le monde tendait Guy Philippe là, Guy Philippe là. Tout le monde après les ou pas des nouvelles là, Guy Philippe là, oui ça passé. Pièce moun pas connaît si journée jodi al t'a débarqué dans pays d'Haïti. Donc avec arrivé Guy Philippe, mes chers compatriotes, en pile citoyen dit privé ou mettre rangé corps parce que bagay yo pas douce pour. Et en pile l'autre gros tour fait connaît Amérique voit Elvin Borisit. Yo voye monsieur tout zipe, oui. Il pas ka parler, kote l ka parler. Gen l'autre qui fait konnen mwen, pose ou, silence fait pi gros bri. Guy Philippe, c'était un militaire, gen technique, li gen tactique, parancé ensemble avec chef là. Donc, chef pa pèdi tan, yo a parler, c'est action qui pose. Donc, selon déclaration, mes chers compatriotes, c'est que, dans le jour qui pral vinyo là, capable de gros causer, capable de gros courir dans la République. Nous même pas Borisite, c'est un dossier, n'a pas suivre de près. Mes chers compatriotes, Guy Philippe, y a été arrêté, nous capable de kidnapper tout, 5 janvier 2017. Donc, sous base, faux accusation. Selon déclaration divers citoyens. Et arrêtez, yon te arrêté Guy Philippe, mes chers compatriotes. Premier côté, yon t'allez ensemble avec, c'est dans prison, dans l'ambassade américaine. Donc, mes chers compatriotes, yon te estimé Guy Philippe, c'est une menace pour sécurité pays d'Haïti. Qui est souple? Mais Guy Philippe, immédiatement, te fin élu sénateur. Mes chers compatriotes, gagnons une déclaration le te fait. Déclaration ça bouleversé tout parlementaire corrompu. Il te bouleversé tout si volé. Il te bouleversé tout ministre chat de pied. Qui ça le te dit? Il dit avec lui-même qui pralait dans parlement, parlement pas boutique encore. Parlement pas ka marché encore. Et mes chers compatriotes, gardez mes ça. Ouais, mais ça, c'est mes droits, moi. Ouais, dans le pays d'Haïti, avec mes ça, nèg yo krasé pays ya. Avec mes ça, nèg yo détruit pays ya, yo fourré pays ya dans trou. Parce que à chaque sénateur, député ou voté, pour aller représenter ou, pour aller parler pour aller voir comment la situation la vie ou t'es capable d'améliorer. Eh bien, rive en dedans, là, yo levé mes un peu haïtien. Son 100 000 $, oui, qui déjà dehors la caillou. Gon 100 000 $ qui est en rangé dans valise. Gon 40 000 $ qui est en pral tombe sous à 40 yo. Gon bout de sac l'argent qui est en disponible pour yo. Et des fois, mais yon kon descend, li kon mal pour lever, oui. Si tout lege yon décision kapran ki bon pour pays ya, eh bien, sénateur yon mal pour voter, député yon mal pour bay passer parce que li pa nan avantage patron yon. Donc, mais ça, là ou elle leve l'argent, là ou elle baisse tout le pas ka leve l'argent. Et tout l'argent sa yon kapran, c'est pour capable craser, c'est pour capable détruire pays d'Haïti. Mes chers compatriotes, nan époque yon te arrêté Guy Philippe,
kidnappé Guy Philippe pour rentrer aux États-Unis ensemble avec elle. Rappelez-vous qui est-ce qui était ministre justice? Oui, Camille Edouard. Même gang privé, vous rappelez-vous. Eh bien, type ça, t'es sorti un livre avant. Pour dire, étranger pas de droit débarquer, vin pour citoyen haïtien, etc. Toutes ces coquets, toutes ces mesdames. Donc, après plus passé 6 ans, Guy Philippe, dans le pays les États-Unis d'Amérique, il était en prison. Retournez dans le pays d'Haïti, mes chers compatriotes. Privé ça, qui te vannien, tandem bien. Monsieur actuellement là, sanctionné dans gang dans le pays d'Haïti. Et vous capable rappeler, dans le mois novembre 2017, que commissaire gouvernement Port-au-Prince là te relé ex-mini justice là te mette mandat d'amener derrière les sa ministre t'a pral fait qu'on est ces persécutions politiques parce que te gon paquet bien public li te détourné bien ça yo c'était pour prisonnier yo et bien monsieur te fait chimer crochet ensemble avec bon comme on connaît comment pays a fonctionné c'est volé seulement dans la justice donc juge toujours camp avec bon kit cloaction galon qui au ligne là nan mais pour yo blanchi voler pour yo retirer vent en dos vacabon cap craser pays donc eh bien frères et sœurs bien-aimés pour qui ça pas Borisite nous dit kidnapper Guy Philippe nous connaît maître Doval c'était une gros avocat pays d'Haïti et rappelez-vous avant assassinat Jovenel Moïse yo t'ai assassiné maître Doval. Maître Doval c'est une avocat mes chers compatriotes. Quand t'as pour la vérité, ya, mon cher, la plague, elle tout crie dans figure. Et c'est parce que monsieur était trop véridique qui fait yo assassiner. Parce que, dans le pays ici, là, depuis, ou gen capacité, ou pas rentrer, n'en fait corruption ensemble avec nèg, ou pas défendre voler, ou pas défendre assassin, ou pas défendre kidnapper, yo vin wou tant qu'on menace pour yo. Comment Maître Doval te traité dossier Guy Philippe lequel t'a participé dans émission Télémétropole. Mes chers compatriotes, mettez tout en place. Entendez comment nèg yo maré complot dans pays d'Haïti et comment yo prêt pour yo vendre moun depuis ouais moun ça campé gen des bêtises yo pap ka fè, gen des coups yo pap ka fè, gon façon yo vendre pays yo pap ka vendre ni et bien moun ça automatiquement yo commencé gade non utiliser toute technique, passe la banque, passe dans l'organisation droit moun, jusqu'à ce que yo fini ensemble avec vous. En nous tendez ensemble. Le dossier de Guy Philippe, l'arrestation suivie de cette fête-là, de l'arrestation. Tout d'abord, Wendell, Mabdou, en tant qu'avocat, je ne pas traité le dossier de drogue. Ok. Je ne pas traité le dossier de kidnapping. C'est le choix que je fais. Important. Expliquez-moi, qui j'en parle, ou pas traiter. C'est-à-dire que, on pas prendre ça. On pas défendre kidnappeur. Pas défendre kidnappeur. Important. À moi, si tu t'accuses injustement, on me connaît. Et, dossier de drogue, on pas traiter question. Parce que je connais son problème, il m'a compliqué. Mais l'obligé fait question ça pour. On pas traiter dossier comme ça. Ok. Drogue, kidnapping, c'est pas traiter dans le cabinet. C'est le choix que je fais. Des gens qui traitent, pas de problème ça. Mais tout le monde doit avoir un avocat. Il va critiquer un avocat pour traiter la question de drogue. Et donc par conséquent, il y a qui vivent là, sous le fond, il va parler dans le fond de la question. Par contre, si ça le fait, par contre, ce que je sais, il est présumé innocent. Toute personne est présumée innocent. La présomption d'innocence, dans la constitution, non, puisque la constitution de 87 réfère à la déclaration universelle des droits de l'homme qui intégrait, qui n'a préambule constitution, hein. Moi-même en tant que doctrinaire, je dis que le préambule fait partie de la constitution, d'autant plus l'article 19 de la constitution réfère encore, qui est le dispositif même de la constitution, il référait à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc par contre, la présomption d'innocence fait partie. Donc par conséquent, toute personne est présumée énoncée des conventions international qui dit que nous présumons innocents. Maintenant, nous n'y a pas de parler parce que si on a qui poser, mais qui branche de côté m'a rattaché, ça lié. Vous dites quoi, pas est-ce que c'est extradition, ça lié. Non, alors en arrestation d'abord. Arrestation d'abord par la BLTS. Et qui
est-ce que il est arrêté? Il doit arrêter n'importe qui. Son on a cherché, il y a plusieurs fois à côté pour le chercher. Est-ce que vous dossier? Qui est-ce qui est dossier? C'est l'État haïtien ou l'État étranger? Belle question. Si vous dossier, faut qu'on chaque dossier est gardé là-dedans. Est-ce qu'on demande d'extradition? Faut qu'on demande d'extradition. Maintenant, n'est-ce pas carrément gagné une convention qui était signée le 17 octobre 1997 qui ratifiait. Convention ça bail problème. Convention ça jusqu'à présent n'a discuté sous les sacs passe ensemble à dossier ça. Par le Parlement en 2000 et qui publié en 2002. L'EMLI convention qui publié une convention là, mais décret de ratification de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui ratifie. Décret à là, qui publie le 25 juillet 2002, et la convention a été. L'accord a été traité le 19 décembre 2000, par l'Assemblée nationale, qui promulguait et en 2002 et qui publiait le 25 juillet 2002. Qui publiait. Puisque la convention est publiée, il y a force obligatoire. Elle est publiée, elle est gratifiée, personne n'est d'accord. Mais l'exécutoire. Obligatoire aussi, puisque publié. Mais sa convention dit. Convention pas dit pour venir arrêter mon en Haïti. Ben nous aussi les mieux. Même lui, quoi. Et même l'Assemblée nationale qui ratifie, là, comme tu as dit, ma prélative premier de l'acte de ratifier, du décret de ratification. Elle demeure ratifiée pour produire son pays entier et fait l'accord entre les États-Unis et la République d'Haïti concernant la coopération en vue de mettre fin au trafic illicite par mer de la drogue. Par mer. Non, mais. Il y a souvent les territoires, les territoires haïtiennes, pour aussi des gens qui cherchent les gens. Et il faut qu'on représente haïtien là, il est si qu'on bat, doit chercher les gens. Au territorial. Nous pouvons mettre au territorial haïtien, non? Mais il faut qu'on représente haïtien. Pas qu'il y ait une arrestation sous terre, non? Pas que ça, non? Maintenant, si tu as dit. Jusqu'à présent, je dis que ce n'est pas Américain qui est entré, vient arrêter Guy Philippe. C'est autorité haïtienne. Okay. Si l'autorité haïtienne qui remet lui, il faut qu'on dossier. Faut mettre devant le juge haïtien. Exactement. Mon juge haïtien. Ok, mettez ça en fait. Non, alors, excusez-moi, nous avons comme l'impression, jusque dans la phase ça, jusque dans l'étape ça, autorité américaine pour pêcher. Si ce n'est pas au camp de prendre, si c'est autorité haïtienne qui a arrêté. Maintenant, vous remettez lui. Oui. Vous remettez lui, ça sont. Vous entrez dans le procédé d'extradition. C'est pas à quoi. C'est pas à quoi. C'est pas à quoi. Pour qui ça applicable en la circonstance, il y a une loi du 7 août 2001 qui traitait de questions de drogue en Haïti et qui prévoit l'extradition. Qui ça dit? Cette loi, c'est trafic illicite de drogue, lui prévoit extradition. Et dans le cas d'extradition en état étranger, il dit que faut référer à accord ou gain avec l'État. Dans le cas États-Unis, bon accord de 1904, un traité qui peut parler, qui dit quoi? Ou qu'a extradé. Même tout carrément, aucune des parties au traité ne sera tenue d'extrader ses propres citoyens. Aucune des parties ne sera tenue d'extrader. L'emprunt loi de 1912 sur l'extradition, parce que même la loi 2001, c'est l'écapicable. Ce n'est pas encore là. Il dit quoi, loi 2001? Il dit que faut nous référer non à toute législation sur l'extradition.
Législation sur l'extradition, que ça le dit, son loi du 17 août 1912, l'extradition. Article 4. L'État d'Haïti ne livrera pas ses justiciables. Son justiciable d'État d'Haïti, les Haïtiens. Les Haïtiens. Donc par conséquent, vous ne pouvez pas extrader un Haïtien. Ok. Donc on ne peut pas extrader. Donc maintenant, là on n'a pas le dos. Donc, et si vous extradez, comment vous le faites? Nous disons que faut une justice la saisie, qui lui-même lui saisit le parquet, le tribunal de première instance compétent, qui lui-même voit un dossier dans le juge d'instruction, à l'époque des chambres du conseil, c'est la chambre du conseil qui décidait, et nous disons l'État, le gouvernement pas lié, le gouvernement pas lié, non? Même les juges d'État dit qu'il faut extrader. On va lier. Si je l'ai dit pour l'extradel, vous ne pas lier. S'il dit pour ne pas extradel, vous ne pas lier. C'est sa loi de 1912. Donc, bon procédure pas respecté. Sinon, si ce n'est pas extradition que lié, ça lié. Donc, si c'est extradition, qui ça lié? Article 41 de la Constitution dit qu'on ne peut pas déporter haïtien. Nous sommes capables de dire, nous sommes devant un acte de déportation. Pour haïtien. C'est pas extradition que lié. Mais là, kidnapping. Kidnapper citoyen, puis à la velle. Yo kidnapper, yo fourre le noir, puis yo foup, yo voye l'aller. Voilà. Conseil ne pas respecter son acte de déportation. Faut l'assumer. Yo déporté ici. Le problème, moi, les maps gardent pas ça dans tous les réseaux sociaux. C'est comme si nous pas au état. Pas de monde dans le pays. Nous livrer, est-ce que nous calibrer haïtiens comme ça? Il ne s'agit pas, on va parler de. Sur le fond, on peut avoir plein de choses à reprocher à ce monsieur. Mais il y a la forme. Parce que là, on fait comme ça. C'est le pays qui a affaibli, oui. Mon qui doit être l'État, il n'est pas là pour lui, il est là pour protéger lui. Et il n'a pas fait intérêt personnel, il passe pour problème personnel, il ne pas protéger nous. Il est là pour protéger nous. Alors, vous prenez d'après moi avec vous, M. Dorval, dans le même élan. Et Guy Philippe, comme c'est car ça, nous avons débattu maintenant, mais pas oublier qu'un pilote qui fait déjà, et le grand silence toujours entouré de ces saillots. Mais continue en tout petit, que peut-être nous capables de retourner sous lui après posant qu'un papa là, c'est note de l'ambassade des États-Unis. Yeah. L'ambassade des États-Unis en Haïti sortit une note pour féliciter la police nationale pour le travail bien fait. Mais dans même note ça, l'ambassade américaine parlait de fugitif au lieu de parler de monde qui a recherché. Et le fait que le parler de fugitif, il y a plein de monde qui pensait en pile l'autre bagaille. D'après moi, on dit non, pour qui ça? D'après vous-même, que les États-Unis parlaient de fugitif au lieu de parler de un monde que recherché et pour n'importe quoi. Mais au cas souffrir pour nous, on a pas prendre pause et puis on va retourner avec réponse pour nous après pause. Et avant de tourner dans ce fugitif là, parce que d'après moi, que le juriste que vous êtes, tu as dit qui ça veut dire fugitif, qui différence qui gagne entre un fugitif et un monde qui recherché et dans le cas Guy Philippe là. Qui t'a dû appliquer. Bon, nous t'ai dit que c'est sur la forme n'a prêté pas dans le fond de la question. Mais avant ça, M. Dorval, il n'y a aucune décision du pouvoir en place pour faciliter la déportation ou bien l'extradition d'un ressortissant du pays. Pas rien que. Pourquoi vous n'avez pas extradition puisque la loi de 2012. Sur l'extradition. Ils peuvent en procédure. Les fins de le juge là, parce que pas commissaire gouvernement, ministre de justice là, commissaire gouvernement, qu'on y a juge là, il était pour en chambre du conseil, qu'on y a un gars dit doyen, tout ça réuni, et tout ça, il a décidé pour extrader lui. La loi sur l'extradition prévoit que gouvernement. Le pouvoir exécutif, le conseil des ministres même. Il prévoit, avec le conseil des secrétaires d'État à l'époque, le conseil des ministres, présidé par le président, il doit prendre arrêté d'extradition.
J'aimerais de vous parler de ça. Il faut qu'on arrête d'extradition. Et ça ne crée pas d'extradition. Il faut qu'on arrête d'extradition. Donc ça veut dire que tout le monde qui a été arrêté pour une raison ou une autre en Haïti, ou bien que la police nationale arrête, remette les les autorités américaines, donc ce n'est pas jamais extradition ça, oui? Ce n'est pas extradition, c'est déportation. Déporté Haïti. Parce que l'accord pas permettre d'arrêter mon sous terre. Sous prendre sous terre, c'est dans l'état fort propre aussi de la nation là. Nous sommes état quand même. Effectivement. Donc des problèmes. Certes, nous sommes état. Mais comment nous avons le pays là? Bien sûr. Mais oui, mais loi ça, M. Dorval. Excusez, M. Dorval. Loi ça, est-ce que c'est les États-Unis qui violent ou bien est-ce que c'est nous-mêmes haïtiens qui violent? Bon, nous contribuons à cela. Exactement. Mais pour des autorités là pour défendre le pays là. Effectivement. Vous avez une autorité, oui. Parce que tout le monde n'a pas dirigé. Mais comment construit un pays, oui? Nous avons construit un État qui doit défendre l'intérêt général. Nous placer monde à la tête de l'État, nous gagnons chef d'État, nous gagnons chef de gouvernement, nous gagnons ministre. Nous gagnons tout le monde ça, nous gagnons l'administration publique. Effectivement. Tout le monde ça défend l'intérêt général. Ils sont là pour nous, ils sont protégés. Mais qui nous gagne comme interface? C'est chef d'État, oui. Effectivement. C'est lui-même. Au niveau international, c'est lui-même. Ou gagner ambassadeur, il y a un rapport avec le ministre des Affaires étrangères, qui a remonté par chef gouvernement, a remonté à président de la République. Président, d'ailleurs, en matière de diplomatie, c'est le président chef de la diplomatie. Effectivement. Mais c'est le monde qui pour défendre nous. Nous-mêmes, qu'on serait, quand nous étions délinquants. Mais il faut le juger pour le délinquant. Mais tant, il y a une protection pour le gain. Le criminel, Klaus Barbie, qui a fait tout le bail, il était dans l'avocat, oui. Il était respecté le droit, lui. Nous ne sommes pas capables. Fragiliser le pays. Hein? Et puis, quand il y a tout le monde retire quoi? Non! Le map garde des c'est comme si pas de monde dans le pays. Nego vient en avion, vient pour un monde dans le pays, à l'avec vous. Tout ça que vous faites, c'est anormal. Non, mais il va venir comme ça, non? Parce que pour vous venir, c'est invité pour inviter. Voilà, oui, il faut que vous disiez que vous avez un prévenu. Jean, il n'y a pas de monde qui compte ça. Mais ça ne va pas passer inaperçu. Le pays est choqué par cette décision. Moun yo choqué. C'est pas parce que yo d'accord à Guy Philippe qui a fait mal sur le fond de l'Ontario. C'est comme si que c'est tout haïtien choqué. Pas ça qui passe là. Comment trouver? M'la caille moi. Même si il faut pas même. Y a jugé moi. Mais tu peux venir prendre moi, yo baron l'autre moun. C'est triste. C'est comme ça nous y est là. Nous sommes un véritable désert. Nous n'avons pas d'autorité dans le pays. Qui s'est passé? C'est extradition? C'est quoi? Il n'y a pas extradition. On devrait avoir un arrêté d'extradition. Pas gagné. Est-ce que c'est accord là qui est appliqué? Il n'est pas appliqué, c'est par mer. C'est pas par mer quoi, monsieur? Donc c'est sous terre. Sous cette terre, bon, même là d'accord au territorial, moins, c'est pour tellement moins ici. C'est effectivement. Parce que faut, non, même dans le bateau. Cap rechercher tout mon café de drogue là. Faut qu'il y ait un représentant haïtien là, oui. Faut qu'il y ait un d'après à quoi, oui. Donc peut-être souvent au monde, dans le territoire moi, si vous votez le moment du territoire moi. Mais ça souvent extradé. Vous pas extradé d'ailleurs. Loi dit vous pas extradé pour les citoyens. Les citoyens haïtiens sont justiciables devant les tribunaux haïtiens. Donc c'est ou pas qu'à faire comme ça. Donc par contre, c'est que l'on fait ça, ou fragiliser l'État, ils ne pas respecter, non. Quand tout le monde a dit, c'est passé là. On a laissé une nuance là, mais Dorval, nuance fugitif là pour nous. Mais pourquoi vous posez? Pour que vous capons, il faut son fugitif. Parce que sous ces territoires américains, bon, pas de problème du tout. Est-ce que monsieur était sur le territoire américain? Non. Est-ce que, d'ailleurs, la loi de 2001, vous allez prévoir, ne prévoyez pas tout le monde qui a fait transport de drogue international. Nous prévons peine pour ça. C'est 10 ans à 30 ans d'emprisonnement. Nous prévons un manteau. De côté, on prévoit même, soit fait vendre, ou fait tout bail ça. C'est 30 ans d'emprisonnement. Il y a des textes. 2001, c'est au bout de 2001. Même là. Donc maintenant, et lors d'une fugitif, le traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis, il parlait de fugitif. Parce que si là, ça veut dire faut le fugitif, faut le prendre. Les acteurs parlent de fugitif. L'a cherché, ça a passé. L'a cherché, légaliser, ça a passé. Là, cette fête-là. Et ça a passé là.
la légalité, il faut l'attacher à quelque part, puisque ce traité a pour l'appliquer. Et bon, pas oublier, le traité ne comprend pas ce article. Le traité dit tout carrément, aucune des parties n'est pas capable, pas obligée, d'extrader. Et même là encore, la loi, même les traités attaquent, parce que bon, nous, ne sera tenu d'extrader ses citoyens. Mais la loi sur l'extradition tout carrément, les Haïtiens sont justiciables devant l'État d'Haïti. Ouais, question, ou bloqué. Nous sommes même rentré là, au bon loi qui dit non, pas qu'à faire comme ça. Et constitution, les mêmes nous avons qui s'allient, ou pas qu'à déporter. Donc maintenant, ou pas qu'à déporter Haïtien, ou pas qu'à forcer le prendre l'exil, ou pas qu'à forcer lui. Donc maintenant, nous avons un problème de l'égalité posée. Maintenant, c'est ça que nous avons, AXA, c'est pas AXA par rattaché même à aucune législation. Il ne va pas rattacher aucune législation. Ce n'est pas qui fait tout à fait, qui n'est pas grand du tout. Ça que vous faites là, il est anormal. Moi-même, je d'accord avec ça. Oui, mais est-ce que anormal, là, vous voulez dire illégal? Il viole la constitution. Moi-même, je d'accord avec ça. Oui, mais est-ce que anormal, là, vous voulez dire illégal? Il viole la constitution. Il viole l'accord de signer, hein, qui va prévoir ça. Il viole le traité signer et il viole la loi sur l'extradition. En tout cas, mes chers compatriotes, m'espère comprendre comment nèg yo fait complot. Comment fait vieille politique sale finir ensemble avec pays ya? Comment nèg baborisite yo condamné pour yo fait choule messieurs les blancs et yo prêt pour yo vendre tout en dans vente yo. Yo prêt pour livrer un citoyen haïtien dans n'importe condition. Et mesdames val garçon, sous t'es là, écoute sans école, on t'a fait attention, t'es calagouate, oui, nèg. Dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Parce que, quoi me souvle? Donc, si un citoyen américain vient faire des ordres dans le pays d'Haïti, américain pas extrader dans le pays d'Haïti pour venir juger. Non, ça sont des respectants. Eh bien, son crime fait dans le pays d'Haïti. Faut que yo kembe tout le monde qui participe dans le crime, nan, depuis le sous-territoire pour yon juger là. Mais ça qui passe, peuple haïtien. Nèg yo tellement vendu le pays, ya. Nous tellement détruit le pays, ya. Nous tellement fini ensemble avec qu'on y a là, n'a déporté citoyen haïtien. C'est triste, c'est grave. Et tout ça, c'est parce que nous levons sécurité pays, nous. Sécurité pays, ya, peuple haïtien, c'est cerveau pays. C'est pour mon pays, c'est quel pays? De pour lever système sécurité ou remettre yon l'autre pays? Ou pas fouti gen justice? Ou pas fouti gen sécurité? Ou ap toujours gen gang? Et non seulement ça tout, ou pas castab? En tout cas, mes chers compatriotes, on prend responsabilité nous. Donc, immédiatement, Guy Philippe te fin débarqué dans le pays d'Haïti, DCPJ prend rentre dans la cuisine ensemble avec. Et information qui rive joindre nous, c'est que 1er juin 2016, te gon mandat, oui, contre Guy Philippe, yon policier qui te relé Tyson Jean-Louis, li tatouye peuple haïtien. Mais, attendez. Guy Philippe, touye policier. Mandat daté 1er juin 2016. Guy Philippe, élu sénateur. Bon petit limier, de CPJ, qui est-ce qui te bali papier? Qui est-ce qui te bali certificat? Nous croquons nous, mesdames. Qui est-ce qui te bali certificat, s'il vous plaît? Qui quand elle te passé, puis il te joué un papier, sortant d'y aller à l'inscrit, il te même arrivé sénateur de la République. Bon, petit limier. Non, fais-moi comprendre. À la traka pour la vécaïté. Parce que ce bien-aimé, ou absonge, sa privé te fait nan okay. Même sécurité, il te joué un mourir dans l'espace là. En tout cas, dossier Guy Philippe, ce n'est pas un petit dossier qui piti. C'est un dossier à suivre de près. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après des CPJ fin prend Guy, rentrez dans la cuisine ensemble avec elle, réaction pas suspend. N'a débarqué dans OCAP. Donc, moun OCAP qui a un souvenir particulier de Guy Philippe, en écoute déclaration quelques citoyens. Sous débarqué, Guy Philippe débarqué dans le pays d'Haïti. Guy Philippe, c'est un citoyen pays. Donc, son citoyen pays qui était dehors. Donc, je dis à qui en vie, c'est normal, parce que construire va reconnaître l'exil. Et là, on est, force on est quitté pays à l'exil, je pense que c'est un acte inconstitutionnel.
Donc, Guy Philippe était victime de des actes inconstitutionnels. Je dis à y entrer, nous féliciter ça. Mais en même temps, nous avons tout profité de Guy Philippe. Pays n'est pas capable encore. Situation empirée. Situation de sécurité a empiré. Je dis, si on est venu là, on va venir pour aider nous construire, mais ce n'est pas pour aider nous craser. Si Guy Philippe pense, c'est même bagaille 2004 là, la vienne faire aujourd'hui, nous dit, n'a dit, il n'est pas bienvenu pour lui. Mais si la vienne aider nous construire pays ça qui crase depuis des temps, n'a dit Guy Philippe bienvenu, soit haïtien pays là, donc il doit ça. Ok, en plus, nous comme un chef rebelle, il y a ça qui est tout comme un libérateur. Qui a vu ou partagé? Dans 2004, et Guy Philippe est venu là d'après nous-mêmes comme à la tête d'une rébellion. Rébellion, ça a été pour mission. J'étais Jean-Bertrand Aristide, pas oublier Jean-Bertrand Aristide, t'es élu constitutionnellement. Donc, si on a demandé de quitter le pouvoir avant l'heure, sans aucune action constitutionnelle, donc nous pensons. Son erreur grave. D'après moi-même, Guy Philippe est venu comme un chef rebelle. Mais je dis, hein, il saute pour en prison à l'étranger, il retourne comme petit pays, il doit venir là pour aider nous construire pays, mais ce n'est pas pour aider nous craser. Ça dit même pas avec 2004, il n'y a pas reproduire là encore. Ok, mais nous connaissons que il dit qu'il y a une charge et sous Dolly. Est-ce que la justice, il y a une autre fois encore qui va faire le piger, il y a une autre peine en prison, et si tu as une plainte qui dépose pour nous? Donc nous-mêmes, nous n'avons pas de droit. Pour me dire que Guy Philippe a charge de vous. Ça revient à la justice pour que la justice lui-même il fait travail comme ça doit. Pas oublier la justice, c'est une institution qui l'a pour bailler justice. Donc on y a, il revient à la justice des droits pour que la justice lui-même il fait travail. Si Guy Philippe gagne charge qui est tenue contre lui, que l'action publique mette en mouvement contre lui. C'est ça nous penser. Ok. Et avant de finir, est-ce que ça a bien un impact sur la carrière politique de Philippe et qui comporte la qualité de gagner lui-même avec partisan Lio avant que Philippe tout le temps besoin de ça? Je pense que politiquement, Guy Philippe est un monde qui finit, si nous d'accord avec lui. Parce que la constitution est claire, pas un citoyen haïtien qui est capable de candidat si toutefois il est condamné pour une peine. Donc Guy Philippe est condamné pour une peine. Et dérive te commettre yo. Yo te reproché quitte nan niveau national, quitte nan niveau international. Donc c'est international qui agit automatiquement, rete la justice haïtienne pour interpeller Guy Philippe pour venir dire ça qu'on est dans toute dérive te commettre yo. Surtout zami il est détention zami légalité gain en 2004 yo. J'étais grand pile zam nan main. Donc faut que je dise une belle explication côté tous les zam illégal ça yo. Donc on y a là, si la justice et révéler que monsieur coupable et qu'on y a la sanction contre lui. Donc c'est rester à la justice pour faire travail. Qui comportement ta supposé gain? Comportement monsieur ta supposé gain? C'est un comportement bon citoyen. C'est un comportement bon citoyen ta doit gain. Il ta doit venir là pour venir aider nous construire pays là davantage. Mais c'est pas pour nous aider, c'est pas pour aider craser pays là. C'est comportement ça ta doit gain. Un comportement bon enfant. Détendez un message qui te tombe concernant le droit qui dit bien pour venir. T'as sur le réseau, t'as vu sur Facebook. Et un message qui dit les mêmes vidéos. Je ne peux pas confirmer est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Mais pendant que je te sens ça, t'as pas confirmation est-ce que son réalité lui-même a été. Ok, et chef rebelle ça lui-même lui retourne dans le pays. Et qui première réaction sous entre eux? Bon, première réaction, je m'a réfléchi par rapport à ce qui s'est passé. Le moment obstacle qui était présent là, il était encore là, il a vu, il dit ce qui s'est passé. Bon, la question m'a posé peut-être, est-ce que même jeune qui était là pendant le bail qui passé là, est-ce que ça va être dans la mémoire pour comprendre si c'était un bien fait ou bien est-ce que c'était un mal fait? Selon moi-même, c'était un gros bagage. Si quelqu'un doit dire, c'est un obstacle qui est venu pour détruire là ou bien craser un système qui était quand même fonctionné.
par rapport à ça que tu es venu, c'est que tu as un manque de responsabilité dans l'État ou dans le gouvernement, peut-être que le problème ça a été présenté. Alors, retour à jeudi, je pense que c'est quand on l'a pensé, on l'a calculé. Est-ce que l'idéologie ou bien mental Michel est venu avec l'Iconia, est-ce qu'il peut le multiplier ou bien rentrer dans la jeunesse? Nous aujourd'hui à qui aller l'école ou bien est-ce que bon monde qui parle là pour expliquer génération mais qui ça t'est arrivé parce que gamin qui était petit mais qui vient grand pour moment ça t'est passé là qui a pile monde qui ouais Guy Philippe tant pour un rebelle qui ça qui tant pour c'est un libérateur tout et ou même qui ça le représenter ou bon ou dit gamin qui ouais tant pour c'est un rebelle gamin qui ouais tout et tant pour c'est un libérateur. En moi-même, je me pose des questions. Chaque question a un volet qui est important. Mais chaque question est important. Par rapport au système qui a fonctionné, ça a été montré comme si c'était empêché de vivre injustice ou bien malgérance des politiques pays qui ont été. Il y a des pays qui ont ça. Il y a un groupe de rebelles qui l'a juste pour revendiquer un bagage qui a mal fonctionné. Alors, je n'ai pas trouvé ça. Je suis venu voir, le moment où ça a passé, c'était une injustice, c'était une grave circonstance qui était venue frapper le peuple là. Puisque Guy Philippe est sanctionné, ça veut dire qu'il était pris en prison aux États-Unis pour affaire de drogue, est-ce que vous pensez que ça tout fini à carrière politique? Non, jusqu'à présent, il a dit Guy Philippe était en prison pour affaire de drogue. Il n'y a pas joué qu'une cause qui fait arriver là qui connaît là. Moi, c'est mon vrai. Et pour réflexion par moi, Guy Philippe a travaillé pour Américain. Et ensuite, pour Américain, il ne pas jouer et quelques activités, il dépensait des cartes dans Guy Philippe. Il s'est mis en prison. Alors il vient à la cause pour dire que c'est pour drogue. Mais cause qui passe, il y a un problème politique qui te gagne, problème crasé, la police crasé, les douanes, conseil de bagaille, tirer monde, conseil de bagaille. C'est job États-Unis qui fait le taf, c'est pour résoudre ça, il n'y a pas juste expliquer, juste parce qu'il y a besoin. Et rentrer l'élection dans le pays, il y a un moment où il y a eu la guerre qui fait le pendant, il y a eu la guerre là, juste que c'était pour d'autres, c'est pas tant rien qui grave qui fait arrêter. Tête chargée. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, réaction pas suspendue dans le dossier Guy Philippe. C'est moment pour nous débarquer dans des CPJ. La police belle, la police nice, la police clairée. Hey, hey. Aïe, aïe, aïe. La loi dit depuis mon entrée. La police très sexy. J'en vois regarder la peuple haïtien. La police très sexy. La police très sexy. C'est policier ça ou très sexy. C'est soldat. Il n'y a pas grand même, non? Et il cap travail. La police très sexy, il sous deux pieds militaires. Donc, moun pa ka passe n'importe comment pour rentrer dans des CPJ dans le moment où je parle ensemble avec vous là. Parce que pas de petit dit tout papa ici. Suivant ensemble avec vous. Parce que si vous êtes un avocat, vous êtes un parent, vous êtes un avocat avec vous. Donc, ces gens que vous tapez suivre là, comment la police campait sensible à la gâchette, moun pa ka passe n'importe comment, gade non pote bourré. Pour vivre, ni faire gros manifestants. Mais bah, il comme ça. La police très armée, la police des capacités dans ce genre de situation, ça, il faut comme ça. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a fait ou connaît, divers avocats, Guy Philippe, réagit. Donc, parce que, premier élément d'information fait quoi que, avocat pas qui doit pas centrer pour que vous assistez client, yo. Hey, conseil pas de pitié. Pour plus de détails, en nous suivant ensemble. Cause y a pas petit dit tout. Donc M. Michel, on va dire nous donc. Mais ça n'a pas. Ou est agent de CPJ. Nous montrez-nous ça que vous montrez-nous là aujourd'hui là. Nous-mêmes nous étions confiants que sénateur là a besoin de libération aujourd'hui pour l'entrée de la caille. Pur et simplement.
Qui problème qui est nous pas capable de l'arrestation. Au contraire, qu'on a dit que c'est violation non seulement droit sénateur là et violation droit pas comme avocat qui suppose exercer profession nous par rapport avec des 79 là qui dit avocat supposé exercer profession libre et libre. Non mais aucune explication de la part de CPJ. Pas oublier que l'homme qui ouvre le CPJ que vous mettez que pour 20 policiers à verser dans le champ, nous c'est vrai, nous saluer, mais pour nous parler avec nous pas capable. Et policiers disent l'audio recevoir et tenter pour nous un responsable au niveau des CPJ pour nous cacher au marron. Bon, c'est que donc ça veut dire. Révolution pour qui ça? Oh, pour veiller sénateur à ce qu'il n'y a pas le parti bloqué. Une chose est sûre, que nous autres avocats, quel que soit l'heure, nous-mêmes, nous avons toujours été très vigilants. Très bien. Donc, on concerter nous entre nous, encore pour nous dire pour nous prendre tel avantage que de droit. Qui est-ce qu'on capable avec ce matin qui vient de dire là? Et notre partisan qui vigilant, restez vigilant, parce que à n'importe moment, sénateur a sorti. Parce que il n'y a pas qu'à Québec, sénateur, il n'y a pas aucune provision légale pour attaquer les sénateurs. Mais c'est rentré dans le pays, il n'y a pas déporté sénateur. Comme nous, il y a rapatrié sénateur. Il rapatrié sénateur, il n'y a pas besoin ni passeport, ni une feuille de poule rentrer dans le pays. Étant donné que il y a un responsable de CPJ qui dit que c'est des questions administratives que y a posé sénateur. Mais, on n'a pas qu'à poser une question et puis sans que nous n'avons pas assisté de l'avocat. Donc c'est pourquoi nous autres, nous disons que nous allons concerter entre nous pour nous prêter l'avantage que nous devons. Mais pendant ce temps, nous avons été mobilisés jusqu'à à la victoire finale. Mais nous n'avons pas concerté, mais ça la loi dit que nous avons posé dans cas nous-mêmes. Non, mais bon, tout bagaille. Avocat c'est un professionnel qui suppose gagner ça ou les capacité d'improvisation. C'est que tant que des CPJ pour prendre décision qu'il faut vous dire que la libérer ou ça la faire, nous avocats ne pouvons pas anticiper pour nous dire qu'on va le faire. Okay. C'est pendant que telle action posée et d'avoir telle réponse au niveau de procédure possible. Mais on va se poser déjà, je ne pas quitter nous. Non, moi dis bien, c'est au moment où on va se poser, okay, n'a pas une réponse qui est encore. Comment nous est-ce que nous sommes là? Bon, normalement, que ce n'est à présent que nous regardons et puis nous saluons. Nous gardons plein comme. Voilà. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, t'as des déclarations avocat Guy Philippe. Guy Philippe débarqué, yokin bel, aucun avocat pas doit passer. Font y parler ensemble avec sénateur. Jacques nous dit à son dossier n'a suivre de près. Divers partisans, ak sympathisants t'es débarqué tout. Cause y'a pas de petit dit tout. La police dit pas avancer. Donc Jean wap gade là peuple haïtien, donc c'est Guy Philippe, Guy Philippe. Parce que pas de pitié. Mais Guy Philippe peuple haïtien. C'est lui qui a passé. Il rentre ensemble avec elle. Donc, on va concerter nous entre nous, encore pour nous dire pour nous prendre tel avantage que de droit. En tout cas, mes chers compatriotes, yon dossier n'a pas suivi de près. Restez connectés.